Emmanuel Macron a raison, il n'y a pas une nécessité vitale d'y toucher aujourd'hui. Mais nous pensons, nous au Sénat, sur la foi des rapports qui ont été réalisés par notre la mission d'ailleurs dans les années antérieures, qu'il faudrait pour l'horizon 2021-2022 passer à 63 ans dans le système par annuité actuelle. Mais, et je pense que ça ne changera pas vraiment si on passait par points. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'avant même qu'on soit passé dans un système par points, on ait modifié la date de départ à la retraite. C'est le pivot quand même.